main sur Jésus. Est-ce que tu peux pousser des cris de joie? Oh, des cris de triomphe! Est-ce que tu peux pousser des cris de joie? Il s'agit de Jésus. Il s'agit de Jésus. Il s'agit de Jésus. Est-ce que tu peux l'acclamer? Il s'agit de Jésus. C'est pour Jésus ces acclamations. Il s'agit de Jésus. Il s'agit de Jésus. Il s'agit de Jésus. Oh, c'est lui qui t'a sauvé. Il s'agit de Jésus. Il a payé de ton sang. Il s'agit de Jésus. 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 Oh, il s'agit de Jésus. Il s'agit de Jésus. C'est pour lui que nous acclamons. Nous n'acclamons pas pour un pasteur. Jésus. Encore moins pour moi. Il s'agit de Jésus. 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 Oh, il s'agit de Jésus. Il s'agit de Jésus. Oh, il s'agit de Jésus. Il s'agit de Jésus. Oh, il s'agit de Jésus. Il s'agit de Jésus. Il s'agit de Jésus. Oh, est-ce que tu peux encore acclamer pour Jésus? Oh, ta manière d'acclamer m'étonne. Il a payé de son sang pour toi. Il a donné de sa vie pour toi. Acclamation, acclamation. Acclamation, acclamation. Acclamation, acclamation. Oh, tu l'acclames bien, bien-aimé. Montre à ton voisin comment tu célèbres Jésus. Oh, c'est lui notre espérance. C'est lui la raison de notre joie. Ce n'est pas un travail, non. Ce n'est pas un mariage, encore moins. Ce n'est pas un enfant. C'est Jésus. L'espérance de nos vies. Oh, pousse ce cri de joie. Oh, pas un pas sans toi, Jésus. Oh, pas un pas sans toi. C'est vrai que c'est un nouveau semestre. C'est le premier dimanche du deuxième semestre. Nous revenons à toi pour te dire pas un pas sans toi. Si tu nous as accompagnés depuis le début de l'année, jusqu'à ces jours, nous revenons encore à toi pour te dire pas un pas sans toi. Pas un pas sans toi. Pas un pas sans toi. Pas un dimanche sans toi. Pas une prédication sans toi. Pas un pas sans toi. Pas une célébration sans toi. Pas un pas sans toi. Oh, pas un pas sans toi. Pas un pas sans toi. Pas un pas sans toi. Pas une semaine sans toi. Pas un pas sans toi. Pas un pas sans toi. Pas un pas sans toi.
Que cela soit un soupir de ton cœur. Tu dois lui dire, Seigneur, je ne veux pas un dimanche de plus, non. Pas un dimanche de plus sans toi, Seigneur. Pas un pas sans toi. Oui, nous ne voulons rien sans toi, Seigneur. Alors que tu dis dans ta parole, à chaque sabbat, à chaque nouvelle lune, tous les peuples viendront se prosterner devant moi. Seigneur, nous ne savons quoi dire, nous ne savons quoi parler. Oh, nous sommes un manque de mots. Voilà pourquoi nous venons vers toi pour te dire, oh, pas un pas sans toi. Pas un pas sans toi. Seigneur, nous voulons toi. Seigneur, nous voulons toi ce dimanche. Nous voulons que toi, que tu parles. Ta parole nous dit que c'est toi qui as les paroles de la vie. Nous ne sommes pas venus rencontrer un homme, non. Mais nous sommes venus à la rencontre du divin. Oh, pas un pas. Oh Seigneur, pas un pas sans toi. Ce matin, nous te désirons toi. Ce matin, nous voulons toi. Oui, c'est un nouveau cycle. Nous voulons le commencer avec toi. Hier est passé, mais nous voulons encore plus de toi aujourd'hui. Nous voulons toi aujourd'hui, Seigneur. Comme Moïse, ne nous laisse pas entrer dans ce deuxième semestre sans toi. Ne nous laisse pas entrer cette nouvelle semaine sans toi. Oh, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Est-ce que ce matin tu es en train de le lui dire? Est-ce que ce matin tu es en train de soupirer après lui? Tu es en train de dire, hier j'ai échoué. Mais tu dis dans ta parole que cette fois le juste tombe, mais l'Éternel le relève toujours. Seigneur, relève-moi et je veux que chaque pas soit avec toi, Seigneur. Hier, j'ai vu ta gloire, mais je sais une chose. Avec toi, c'est de gloire en gloire. Hier, j'ai marché avec la nuée, la colonne de feu, la colonne de nuée. Seigneur, aujourd'hui, j'ai besoin de marcher sur ta parole. Est-ce que tu es en train de lui dire ce matin? Est-ce que tu es en train de soupirer après lui? Ça doit être un cri qui doit monter de ton cœur. Ne viens pas par habitude à un dimanche, non. Lorsque tu viens à un dimanche, tu ne viens pas rencontrer ton voisin, encore moins celui qui est devant, mais tu viens avec une rencontre avec la personne de l'Esprit. Ne t'habitue pas à une vie de routine, non. Il faut que tu vives un toucher. Voilà pourquoi tu dois crier à lui, Seigneur, j'ai besoin de toi ce matin. Seigneur, ce matin, nous te désirons. Ce matin, nous voulons toi, Seigneur, dans nos vies. Où irai-je, Seigneur? C'est toi qui as les paroles de la vie. Ne permets pas que la folie s'attache à nos cœurs, comme le dit la parole, que la folie s'attache au cœur des enfants. Mais permets-nous, Seigneur, d'être ces biches qui sont continuellement à la recherche de ta présence. Nous ne voulons pas nous contenter d'un miracle. Nous ne voulons pas nous contenter de ta main. Nous ne voulons pas contenter de ta bénédiction, non. Mais nous voulons ton cœur. Nous voulons faire ta volonté. Voilà pourquoi nous crions, je ne veux que toi, Seigneur. Voilà pourquoi nous demandons, Seigneur,
Oh, sans toi, nous ne pourrons rien. Tu sais que nous n'avons aucune capacité de concevoir quoi que ce soit. Tu sais que nous ne savons quoi dire. Tu sais que nous ne savons quoi demander. Il est écrit que l'Esprit de Dieu élève des soupirs à notre place, des soupirs inexprimables. Lui qui sait la volonté du Père. Seigneur, nous ne voulons rien d'autre que toi ce matin. Nous voulons demeurer dans ta présence. Il est écrit que celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Seigneur, en dehors de ces lieux, en dehors de ta présence, il n'y a pas de repos. Le repos, c'est à toi, Seigneur. C'est en toi qu'il y a le repos. Seigneur, je ne veux que toi. Tu es celui qui donne la paix que le monde ne peut me donner. Ce matin, c'est un peuple fatigué, c'est un peuple chargé qui vient vers toi afin que tu puisses le charger. Nous voulons être chargés de toi, Seigneur. Nous sommes trop chargés des soucis de la vie, trop chargés des problèmes. Tu dis dans ta parole, venez à moi, vous toutes qui êtes chargés, fatigués, je vous donnerai de repos. Je m'attends qu'à toi, Seigneur. Nous nous attendons à toi, Seigneur. Nous nous attendons à toi, Seigneur. Nous sommes de ceux qui n'ont que Dieu. Oh, Seigneur. Nous nous attendons à toi, Seigneur. Oh, Seigneur, nous nous attendons à toi. Nous attendons à toi, Seigneur. Je m'attends à toi. Oh Seigneur, je ne m'attends qu'à toi. Oh Seigneur. Oh, c'est à toi. C'est en toi que nous avons mis notre espoir. Nos sources sont en toi, Seigneur. Oh, nos sources sont en toi, Seigneur. Oh, Seigneur. Nos sources sont en toi, Seigneur. Oh, je m'attends à toi, Seigneur. Oh, c'est à toi que nous mettons toute notre confiance. Tu es le rocher de nos vies. Oh, tu es le rocher d'une vie. Oh, tu es le rocher d'une famille. Tu es l'espoir de nos vies. Tu es l'espérance de nos vies. Oh, nous n'avons que toi, Seigneur. Nous n'avons que toi, Seigneur. Voilà pourquoi ces soupirs que nous sommes en train d'élever, Seigneur, nous voulons te montrer que tu es la seule raison de notre existence. Ta parole nous dit que tous ceux qui respirent louent le nom de l'Éternel. Seigneur, ces chants, ces cris sont ces désirs, sont ces louanges que nous élevons vers toi.
pour ne demander que toi, Seigneur. Voilà pourquoi nous rajoutons à cela nos acclamations. Voilà pourquoi nous rajoutons à cela nos cris de joie. Oh, si c'est la manière dont tu honores le roi. Oh, j'aimerais que tu fasses plus que ça. Oh, j'aimerais que tu fasses plus que ça. Oh, tu acclames pour ton roi. Seigneur, merci. Seigneur, merci pour ta présence. Merci pour ta présence. Nous bénissons ta présence. Nous honorons ta présence. Nous acclamons ta présence. Avec action de grâce. Amen. Oh, quelqu'un peut donner un bon amen. Oh, tu peux donner un bon amen. Un amen de tonnerre. Gloire à Dieu. Amen. Oh, bien-aimés, ce matin, comme je l'ai dit au premier culte, c'est une très lourde responsabilité d'apporter la parole du Seigneur dans la maison du Père. J'aimerais vraiment que nous puissions prendre le temps de bénir Dieu pour la vie de notre Père, le pasteur Ghislain Diabatantou. Un excellent Père, un excellent coach. Il sait voir en nous, en chacun de nous, ce que nous-mêmes, nous n'arrivons pas à voir. Il nous étire. Oh bien-aimé, est-ce que tu peux bien acclamer? C'est un don que le Seigneur nous a fait. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour la vie du pasteur Rosie? Est-ce qu'il y a des mamans et un peuple peut pousser des cris de joie? Amen. J'aimerais que nous puissions aussi acclamer le Seigneur pour tous les corps pastoraux, pour les leaderships qui est installé. Je vois mon responsable, la PTO. Je vois Tata Aurélia, la paix Aurélia. Je vois l'évangéliste Michel Monconcole. Je vois tout le staff. Est-ce qu'on peut bénir le Seigneur pour leur vie? Amen. Nous sommes passés par eux. Et le Seigneur nous a mis dans une moule afin d'être ce que nous sommes aujourd'hui. Amen. Est-ce que tu peux prendre le temps d'acclamer le Seigneur pour la vie de ton voisin? Oh, regarde ton voisin. Regarde ton voisin. Dis, je bénis Dieu pour ta vie. Je bénis Dieu pour ta vie. Amen. Amen. Je ne peux vous demander de vous asseoir sans que nous puissions honorer Dieu pour mes frères qui sont en mission. Amen. Je pense à tous mes frères qui sont à Upen, Mazal, Matadi, Goma. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour leur vie? Oh, le Seigneur est en train de faire des grandes œuvres avec eux. Est-ce que tu peux bénir le Seigneur? Amen. Et j'aimerais vous transmettre aussi les salutations de l'église de Lemba. Dans la commune où Dieu domine. Oh, est-ce que tu peux bénir le Seigneur? Amen. Amen. Nous pouvons prendre place dans sa majestueuse présence. Quelqu'un peut dire avec moi, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Oh, j'allais oublier, bien-aimé, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ce qu'a été la semaine royale? Oh, si tu n'as pas été connecté, bien-aimé, je veux te dire que c'était des merveilleux moments. De merveilleux moments dans sa présence. Le Seigneur nous a étirés. Amen. Merci beaucoup les chantres. Le Seigneur nous a étirés. Comme l'a dit l'apôtre Ivan, ce n'était pas un moment où nous sommes venus écouter la parole, mais c'était un moment où il fallait que les fondements soient détruits afin que les nouvelles fondations soient établies. Amen. Et au travers duquel le Seigneur m'a révélé
une parole. Il dit, la puissance d'une église n'est pas par le nombre de fidèles qui sont assis. La puissance d'une église, c'est par le nombre de personnes qui sont envoyées. Oh, dis à ton voisin, ce n'est pas fini. Oh, le prochain, c'est toi. Oh, même si tu n'arrives pas à te regarder, change de voisin. Dis, vis encore. Le prochain, c'est toi. Amen. Amen. Ce matin, comme je le disais, c'est vraiment une lourde responsabilité que le Seigneur nous accorde sa grâce afin que nous puissions apporter fidèlement et humblement sa parole. Ce matin, le Seigneur a déposé dans nos cœurs un message. Quelqu'un peut dire avec moi un message. Une parole. Quelqu'un peut dire avec moi une parole. Bien-aimé, à chaque étape, est-ce qu'on peut baisser un peu le son du retour, s'il vous plaît? À chaque étape, à chaque saison, Dieu nous envoie toujours une parole. Amen. Donc la parole est la signature de Dieu pour te dire que je suis avec toi en cette saison. Quelqu'un n'a pas compris. La parole que tu reçois dans une saison, c'est la signature de Dieu pour dire, c'est une nouvelle saison. Et pour t'approuver que je suis avec toi, je te donne ma parole. Et depuis le début de l'année, le Seigneur nous a envoyé une parole. Il a dit 2024, l'année de la moisson. Amen. 2024, ce n'est pas 2025, non, c'est cette année. Dis à ton voisin, c'est cette année. 2024, c'est l'année de la moisson. Et cette moisson passe par la redéfinition de fondations, passe par la restauration de fondements. Donc cela veut prouver quoi? C'est-à-dire qu'il y avait des fondements, il y avait des fondations qui n'étaient pas conformes aux fondations du Christ. Si le Seigneur nous ramène sur le fondement, c'est que ce qui va sortir de toi sera glorieux. Parce que ceux qui sont dans le domaine de la construction le savent. C'est-à-dire que plus nous allons plus loin dans le fondement, plus nous allons plus loin dans la fondation, plus l'élévation sera plus grande. Oh, je vois ce qui sortira de toi sera glorieux. Oh, moi je crois à ta place, ça sera glorieux. Parce que tel celui qui est en train de déplacer les fondements est, tel toi tu seras. Il est glorieux, tu seras glorieux. Il est puissant, tu seras puissant. Amen. Et cette redéfinition de fondement ou de fondation passe par la manifestation de Christ. Quelqu'un peut dire la manifestation de Christ. Et je veux te dire que tu es au bon endroit. Je veux te dire que tu es au bon moment. Parce que là où Dieu est, c'est là où tu dois être. Dieu est là, il est présent. Regarde ton voisin, dis merci beaucoup d'attirer Dieu au milieu de nous. Sa parole dit, car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis parmi eux. Donc ton voisin t'aide à attirer la présence de Dieu. Dieu est là. Mais maintenant là où Dieu est là, c'est là où il y a sa parole. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est là? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est là? Là où Dieu est, c'est là où il y a sa parole. Et sa parole nous dit dans 1 Corinthiens 3, verset 11, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé. Donc c'est-à-dire que tu ne dois pas avoir un autre fondement. Tu ne dois pas avoir une autre fondation. Voilà pourquoi semaine après semaine, le Père, sous l'inspiration du Saint-Esprit, nous a conduit sur l'essentiel. Sais-tu qu'est-ce que Dieu vise pour toi? Tu dois ressembler à Christ. Donc les pères nous ont rappelé l'essentiel. Parce que si nous oublions l'essentiel, nous nous perdons. Parce que souvent nous voulons définir la réussite selon le monde. Nous voulons définir la réussite. J'ai réussi ma vie parce que j'ai un poste ministériel.
J'ai réussi ma vie parce que j'ai eu un diplôme. J'ai réussi ma vie parce que j'ai quitté un coin pour aller à un coin à peu près huppé. C'est là où les hommes disent, ah, il a réussi sa vie. Beaucoup définissent leur vie parce qu'en dehors de cette salle, il y a une voiture, dernier cri qui l'attend. Mais j'ai béni beaucoup le Seigneur pour la semaine royale parce que le Seigneur nous a ramenés sur le but. C'est quoi le but de ta vie? Pourquoi tu es là? Tu es là pourquoi? Tu existes pourquoi? Parce que lorsqu'on se perd dans les inquiétudes, non, je ne suis pas marié, je n'ai pas d'enfant, je n'ai pas encore de travail, ma vie est en train de tourner en rond. Lorsqu'on s'inquiète, la première de questions à se poser, quel est le but de ma vie sur cette terre? Que quelqu'un me dise amen. Oui. Et en cette saison, Dieu nous a envoyé une parole. Il nous dit, le but de ta vie, c'est de toi sortiront des nations. C'est de toi. Dieu attend de toi que des nations sortent. Dieu attend de toi que tu sois fécond, que tu te multiplies. Dieu attend de toi cela. Il n'attend pas que tu puisses avoir un immeuble. Si tu as un immeuble, gloire à Dieu. Il n'attend pas de toi que tu aies trois maisons. Si tu as trois maisons, gloire à Dieu. Mais il attend de toi, dans ton domaine, dans ta nation, dans ton ethnos, dans le domaine à laquelle le Seigneur t'a envoyé, que tu sois fécond. Que tu t'es multiplié, que tu assujettisses, que tu domines. Amen. C'est ce que Dieu attend de toi et de moi. Mais ce matin, ce n'est pas vraiment l'orientation de mon message. Mais j'aimerais juste que nous puissions nous recentrer sur l'essentiel. Nous allons rapidement prendre un passage. Le passage... Il est dans Luc 22 au verset 39. Luc 22 au verset 39, la parole de Dieu nous dit ceci. Après être sorti, là on parle de Christ, que toi et moi devions ressembler, tel il est, tel nous devons être. Après être sorti, il alla, selon sa coutume, à la montagne des Oliviers. Lorsque nous sommes en train de lire, on est en train de montrer une vie, une manière de faire de notre maître. Est-ce qu'il y a les disciples de Christ en ces lieux? Est-ce qu'il y a les disciples de Christ en ces lieux? Je vais te dire une parole que tu dois écrire. Tu dois mettre ça même sur ton statut. Lorsque Christ vit, Christ prie. Lorsque Christ vit, Christ prie. Et il prie de la manière efficace. Donc, c'est-à-dire ressembler à Christ, faire comme Christ nous amène à avoir des coutumes, des habitudes comme Christ. Et ces coutumes, ces habitudes ont fait en sorte que les disciples ont dit, mais ce n'est pas le charpentier. Ce n'est pas le frère de Jude. Ce n'est pas celui qui est en train de faire des tabourets, des cercueils ici. Mais comment il commence à défier les lois de la nature? Comment il commence à défier les lois de la physique? Comment il arrive à marcher sur l'eau? Ils ont résumé tous les questionnements qu'ils avaient en disant, montre-nous comment prier. Ils étaient en train de voir Christ, comment il était en train d'opérer, comment la vie de Christ était en train d'impacter l'environnement. Ils ont dit non, au lieu d'aller plus loin, on a compris qu'il y a une manière de faire dans sa vie de prière, que nous devons juste dire, montre-nous comment prier. Amen. La parole de Dieu nous dit dans Jean 5 au verset 19. Jésus reprit donc la parole et il leur dit.
En vérité, je vous l'ai dit. Le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils le fait pareillement. Donc c'était dans la présence de Dieu. C'était dans la communion que Christ était en train de développer dans sa vie de prière qu'il arrivait à opérer à cette dimension. Je te vois opérer dans cette dimension. Oh, je te vois opérer dans cette dimension. De la même manière que Christ doit se manifester dans ta vie, de la même manière que tu vas opérer dans cette dimension. Oh non, bien-aimé, tu ne crois pas, parce que l'amen est la réponse à ce que tu veux vivre. Amen. Bien-aimé, tu dois répondre à la parole. Tu dois répondre à la parole. Quelqu'un peut dire avec moi, gloire à Dieu. Cela veut simplement dire que le Père fait et le Fils le fait aussi. Mais il voit le Père où? C'est dans le lieu secret. C'est dans le lieu secret qu'il voit le Père faire. Dans la prière. Jésus était constamment en communion avec le Père. Donc il y a forcément quelque chose à comprendre dans la vie de prière de Jésus. De sa vie émaner sa vie avec les hommes. De sa communion avec Dieu, émaner sa relation avec les hommes. Que quelqu'un me dise Amen. Et Luc nous révèle une chose. Dans Luc 21, au verset 36, parole de vie. Luc révèle une particularité dans l'exercice de la prière que Christ est en train de faire. Il dit, si vous priez, mais il ne s'est pas arrêté là. Si vous priez sans vous relâcher. Plusieurs prient. Plusieurs ont une discipline dans la prière. Je prie le matin, je prie avant de manger, je prie la nuit. Gloire à Dieu. Je prie avec mes enfants. Gloire à Dieu. Je suis respo, je suis chef de département, je suis chef de l'intercession. Gloire à Dieu. Mais il y a la prière et la vie de prière. Que quelqu'un me dise la vie de prière. La vie de prière. La prière consiste à avoir une bonne discipline. Je ne passe pas ma journée sans avoir prié. Je coche ma journée. Est-ce qu'aujourd'hui j'ai prié? Ok, j'ai prié. J'ai prié 5 minutes, 10 minutes. Ce n'est pas le nombre d'heures qui compte, c'est ta communion. Mais la vie de prière, c'est-à-dire que c'est une vie où tu demeures dans la prière, où tu es constamment dans la prière, où tu opères dans la dimension de prier sans te relâcher. Je l'ai dit au premier culte, beaucoup lorsqu'on dit « Amen » ici au culte, lorsqu'ils sortent, ils disent « Ah, j'ai laissé Dieu à l'église, je veux vaquer à mes occupations. Je veux faire ce que je peux faire. » Mais bien aimé, j'aime bien le Père, il aime bien dire dans sa prière, il dit « Seigneur, c'est la fin du temps, mais ce n'est pas la fin de ta présence. » Donc nous devons continuellement demeurer dans la présence de Dieu. Nous devons arriver à prier sans se relâcher. Le thème était pourquoi devons-nous cultiver une vie de prière? Le premier point, pourquoi nous devons cultiver une vie de prière? Jean 16 au verset 33, parole de vie. La parole de Dieu nous dit, dans le monde, vous aurez à souffrir. Regarde ton voisin. Dis, tu vas souffrir. Oh, regarde bien ton voisin. Dis, tu vas souffrir. Amen. Mais écoute, vous allez souffrir. Vous avez à souffrir bien des afflictions. Mais prenez courage. Moi, j'ai remporté la victoire sur le monde. Amen.
Christ a dit, moi, j'ai remporté la victoire sur le monde. Ça veut dire quoi? Si tu me copies, si tu fais comme moi, si tu vis une vie comme moi, j'étais en train de vivre. Amen. Tu vas vaincre le monde. Oh, je vois quelqu'un vaincre le monde. Oh, je vois quelqu'un vaincre le monde. Parce que Christ va être manifesté dans ta vie. Oh, bien-aimé, si tu ne crois pas, moi, je crois à ta place. Je crois à ta place. Parce que cette année, tu dois ressembler à Christ. Je ne sais pas quel est le problème qui t'empêche à dire Amen. Amen veut dire je suis d'accord à cette parole. Amen veut dire je crois à cette parole. Bien-aimé, il y a eu un vendredi, une nuit de vendredi à samedi. Nous étions ici. Et tout à coup, le Père était en train de déclarer. Il déclarait, dit, je vois des visages, je vois des voyages, je vois. Moi, j'étais en quête d'un territoire. Je disais, Seigneur, donne-moi ce territoire-là. Donne-moi ce territoire. J'étais là. Je disais seulement, Amen, je reçois. Amen, je reçois. Bien-aimé, samedi. Quelqu'un peut être avec moi samedi. C'était la nuit de vendredi à samedi. Samedi, je reçois un message. Il dit, mon frère, fais vite. Mardi, tu as interview là où tu avais demandé. Amen. Bien-aimé, la parole qu'on est en train de relâcher, c'est ce dont tu as besoin. C'est une lumière qui va s'allumer dans ta vie. Ah non, les gens ne sont pas ici. Ceux-là qui doivent vivre la lumière ne sont pas ici. Jean le dit clairement. Il dit, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était... Il dit, en elle, toute chose a été faite. C'est-à-dire que tu as besoin de la parole pour que ce que tu veux vivre puisse être manifesté. Ah non, tu n'es pas là. Non, tu n'es pas là. Tu n'es pas là. Si moi, à ta place, j'allais être violent, dire Amen. Je pense à ce que moi j'attends de Dieu, je dis Amen, je reçois. Mais le royaume des cieux appartient aux violents. La Bible le dit. J'ai crié Amen, j'étais là. J'arrive devant le consul. Il me regarde. Il regarde mes papiers. Il dit, monsieur, venez dans 2 semaines, vous allez prendre votre visa. Amen. J'ai dit, maintenant, je commence à me dire, bon, c'est pourquoi je devais voyager et déjà passer. Mais est-ce que je dois partir ou ne pas partir? Bien aimé, c'est-à-dire que parce que j'ai reçu cette parole a produit la vie. Oh, je vois la vie être produite en toi. De cette parole que tu reçois, je vois la vie être produite en toi. Nous revenons sur Jean 16 au verset 33. La parole de Dieu nous dit, dans le monde, vous aurez à souffrir bien des afflictions. Mais prenez courage. Moi, Christ, j'ai remporté la victoire sur le monde. Amen. Tu dois prendre courage. Tu dois copier la vie de Christ. Bien-aimé, l'exercice de la prière, ton âme ne le voudra pas. Ton âme ne le voudra pas. Il va te dire, tu as beaucoup travaillé, regarde, tu étais dans le bouchon, regarde, tu as vu, et tu dois appeler ceci. Ton âme va te rappeler de choses pour t'empêcher à être continuellement dans la présence de Dieu. Ça ne sera plus notre cas au nom de Jésus. Ça ne sera plus notre cas au nom de Jésus. Lorsque tu lis Luc 21, verset 36, si tu t'arrêtes à, comme le dit la parole, si vous priez, c'est que bien aimé, tu vas croire qu'il ne s'agit que de la prière. Mais tu dois aller bien plus que ça. Quelqu'un peut dire avec moi, bien plus que ça. Bien plus que ça. Ici, Dieu rajoute une notion de prier sans se relâcher. Il ne s'agit pas de prier seulement, mais d'avoir une vie de prière. C'est à ceux qui ont une vie de prière que Dieu donne la force de résister aux tentations. Bien aimé, les tentations vont arriver.
Lorsque les pères ont commencé avec nous les enseignements sur rebâtir le fondement, c'est parce que tu dois te préparer. Il y a une vague qui va arriver. Non, quelqu'un n'a pas compris. Il y a une vague qui va arriver. Il y a des tentations qui vont arriver. Mais écoute ce que dit la parole de Dieu. Dans Matthieu 7 au verset 24. Matthieu 7, 24. C'est pourquoi toute personne qui entend ces paroles, qui sont ceux qui entendent ces paroles? Est-ce qu'il y a de ceux qui entendent ces paroles? C'est pourquoi toute personne qui entend ces paroles que je dis et les met en pratique. Donc, c'est-à-dire, tu ne dois pas juste entendre. Rester un auditeur oublié. Tu dis, ah bon, j'étais le dimanche, j'ai entendu ma parole. Ok, mes notes, je mets sur mon lit et je vaque à mes occupations. Mais il dit ceci. Tous ceux qui entendent ces paroles que je dis et les met en pratique, je la comparerai à un homme prudent. Est-ce qu'il y a un homme prudent en ce lieu? Dieu nous compare à un homme prudent qui a construit sa maison sur le rocher. Donc lorsque tu développes une vie de prière, Dieu te considère que tu rebâtis les fondements et tu poses tes fondations sur le rocher. Quelqu'un n'a pas compris. Oh, dis-moi un bon amen si tu es avec moi. Au verset 25, il dit, la pluie est tombée. La pluie va arriver. Les torrents sont venus. Est-ce qu'on peut me donner la version du premier culte, s'il vous plaît? La version du premier culte, oui. Qu'il pleuve des averses. Parole vivante. Qu'il pleuve averses. Que le fleuve déborde. Que les tempêtes soufflent avec violence. C'est-à-dire, quand tu développes, quand tu cultives une vie de prière, voici ce qui va arriver. Il y aura la pluie. Il y aura le débordement des eaux. Il y aura la tempête qui va souffler avec violence. Et que tous ces éléments, même ce qui va s'engager, le vent, la pluie, la tempête, se met ensemble, se vient vers toi. Il est écrit. Que tous ces éléments se déchaînent contre cette maison. Elle reste debout. Tu vas rester debout. Pourquoi? Parce que tu développes cette communion. Tu vas rester debout. Oh non, on déclare, tu ne peux pas avoir des enfants. Bien-aimé, tu vas rester debout. Parce qu'il dit, cette fois, la stérile affrontera. Tu vas rester debout. Tu vas rester debout. Il dit, elle reste debout et inébranlable. Oh, tu seras inébranlable. Oh, tu seras inébranlable. On dit car ses fondations reposent sur le roc. Tu dois poser des fondements dans ta vie. La prière est un des piliers que tu dois bâtir. C'est une relation que tu dois développer de manière permanente, de manière incessante, sans te relâcher. Sans te relâcher. Ce n'est pas que tu pries un moment et puis tu dis non, Dieu n'est pas là. Non, il est toujours là. Quelqu'un peut dire Dieu est là. Oh, Dieu est là. Tu ne sais pas quand est-ce que les tentations vont arriver. Tu ne sais pas. Elles arriveront le jour. Est-ce qu'elles arriveront la nuit? Tu ne sais pas. Voilà pourquoi la parole de Dieu nous dit, veillez et priez afin que vous ne succombiez pas à la tentation. Tu ne sais pas. Maintenant, ce qui fait en sorte que tu tiennes, la parole de Dieu nous dit clairement, c'est ceux-là qui prient sans se relâcher. Ceux-là qui prient sans se relâcher. Tu ne dois pas te relâcher. Dieu te rassure. Quand tu pries sans te relâcher, Dieu te donnera la force
d'échapper à tous les malheurs. Amen. La bonne discipline, matin, midi, soir, où je prie lorsque nous sommes en réunion, en département, où je prie, bien-aimé, il y a certaines tentations que tu n'arriveras pas avec cette dimension de prière. Tu ne sauras pas comment ton cœur va réagir face à cette tentation parce que tu ne pries pas de manière permanente. Dieu le dit, qu'il donne la force à ceux-là qui prient sans se relâcher. Oh, c'est la même grâce qui te localise. C'est la même grâce qui te localise. Voilà pourquoi il faut que tu te maintiennes, que tu maintiennes le feu de la prière. On rencontre des chrétiens qui, ils se lèvent, ils se disent, non, aujourd'hui je me suis levé du mauvais pied. Mais bien aimé, rentre dans ton sommeil, change des pieds et lève-toi. Tu t'es levé du mauvais pied, rentre dans ton sommeil, change de pied et lève-toi. Nous voulons nous conformer, nous voulons nous diluer, nous, en tant que lumière et celle de la terre. Nous voulons avoir le même langage que le monde. Nous voulons parler le monde. Bizarrement, ces derniers temps, quand tu regardes les statues, tu dis « Eloba Sokinin, Eloba Sokinin ». Mais je me pose la question, pourquoi ne pas mettre même une parole qui réconforte ton voisin? Nous voulons tout copier. Nous voulons tout faire comme le monde. Mais il dit, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. On dit, ça change au nom de Jésus. Ça change au nom de Jésus. Tu dois changer de langage. Donc le premier point du pourquoi, nous l'avons dit, c'est pour échapper au malheur futur. Le deuxième point du pourquoi nous devons cultiver, c'est pour que nous devons impacter de manière significative notre environnement. Christ a impacté. On le connaissait du jour au lendemain de charpentier au faiseur de miracles. Du jour au lendemain. Pourquoi? Parce qu'il développait une communion. Tu dois cultiver cette communion. Tu dois cultiver la vie de prière. Pas prier, mais la vie de prière. Parce que nous sommes appelés à impacter de manière significative. N'oublie pas que nous sommes celle de la terre et lumière du monde. Ce que tu dégages, dès qu'on met le sel dans la sauce, c'est ce que toi tu dois dégager. Mais aujourd'hui, on voit les chrétiens engagés dans les entreprises. Quand on pose la question, qui sont chrétiens? Tu n'es même pas dans le top 5. Tu n'es même pas. Tu caches même ton identité, qu'on sache que non, tu es chrétien. Tu sers Dieu. Tu aimes Dieu. Tu entres dans la politique, tu te fonds dans le système. Tu fais comme tout homme. Quelqu'un peut dire aïe, aïe, aïe. On ne retrouve plus le sel au milieu de nous. Pourquoi? Parce que nous ne développons pas la culture de la vie de prière. On veut faire comme Monsieur Tout le Monde. On veut faire comme Monsieur Tout le Monde. On veut se confondre. On veut même avoir des sobriquets. On veut avoir une vie à l'église et une vie au travail. Ce n'est pas ton cas au nom de Jésus. Oh, ce n'est pas ton cas au nom de Jésus. Ce que ta présence apporte, c'est le produit de ta vie de prière. Je l'ai dit le matin, celui qui se parfume ne dit pas que je me suis parfumé. Non, c'est les gens qui sont tout autour qui viendront te dire, ah non, tu sens bon. Tu sens bon. C'est ça l'effet de la présence de Dieu. Quand tu es continuellement dans la présence de Dieu, on va dire, toi là,
tu as quelque chose. Toi là, tu as quelque chose. Et cela, c'est que le partage de ceux qui développent continuellement une vie de prière. Une vie de prière. Quelqu'un peut dire avec moi une vie de prière. À Lemba, un jour, on a eu un temps de prière. C'était pendant la nuit. Et le matin, j'étais en train de circuler encore dans l'enceinte du centre culturel. Et je vois un homme barricadé, un homme bien battu, qui vient devant moi. Lorsqu'il s'approchait, je m'inquiétais, je me pose la question, mais ce monsieur s'approche, il ne dit mot, il ne dit rien. Il s'approche, il avait un chapeau, il enlève le chapeau et sa genou. Il dit, prie pour moi. Amen. Il ne nous a pas vu prier, mais pourquoi il t'a choisi? Dans ton bureau, il y a des gens qui attendent de ça, que tu développes cette vie de prière. Ils viendront, non, j'ai des problèmes chez moi, je viens me confier, j'ai besoin que tu pries pour moi. C'est ça, de nous doivent sortir des nations. Mais c'est en cultivant une vie de prière. C'est en cultivant une vie de prière. Dieu te veut, bien-aimé. Dieu te veut, bien-aimé. Il te veut dans sa présence. Le troisième point du pourquoi que tu dois cultiver, ton homme intérieur respire la prière. De la même manière que nous sommes assis ou debout, nous respirons, notre corps est en train de respirer. Le véritable toi qui est dans ce corps, dans cette enveloppe, respire, doit respirer la prière. Donc c'est comme si lorsque tu ne développes pas la vie de prière, tu es en train de fermer les nez à l'homme intérieur. L'homme intérieur respire la vie de prière. Tu as besoin de Dieu. J'ai besoin de Dieu. De la même manière que tu respires, la vie de prière est la respiration de ton homme intérieur. Donc, c'est-à-dire, tu dois être tout le temps connecté à la source. Tout le temps. On ne doit pas un jour, on t'appelle, ma soeur, mon frère, comment tu t'es réveillé? Non, aujourd'hui, je ne me suis pas bien réveillé. Non, non, tu ne dois pas dire ça. Parce que toi, tu es connecté de manière permanente. Tu dois dire, je veux excellemment bien. Je veux toujours bien. Je suis joyeux. Ma joie ne dépend pas de ce que je suis en train de vivre. Non, ma joie me dépend de celui pour qui je suis connecté. Je suis connecté à la bonne source. Je suis connecté à la bonne fréquence. Tu n'es pas connecté au dollar qui est en train de faire les yo-yo, non. Tu n'es pas connecté au son de la RTNC qui doit te dire qui est ministre ou qui ne l'est pas. Qu'est-ce que les députés vont voter comme loi ou pas? Tu n'es pas connecté à toi. Ta source, elle est céleste. Ta source, elle est céleste. Tu dois rester continuellement connecté. Cela est possible, bien-aimé. La personne que tu vois devant toi, j'étais tout le temps, mon épouse est là, j'étais tout le temps, chaque 20 heures, tout doit s'arrêter, je dois suivre les infos. Elle me disait, jour moussous, aux crises cardiaques, pardon. Amen. Elle me rappelait ça, elle me disait, arrête de vouloir savoir qu'est-ce qui va se passer. Lorsque j'ai compris ça, à 20h, tu ne me vois même pas devant la télé. Ma source, elle est céleste. Ma source, elle est céleste.
Le père donne toujours l'exemple. Il dit, est-ce que si l'ambassadeur des États-Unis, ici en RDC, il y a un problème de carburant, est-ce que chez lui, il y aura un problème de carburant? Mais tu es un ambassadeur. Oh, un ambassadeur peut acclamer le Seigneur. Tu es un ambassadeur. Tu es un ambassadeur. Ta source, elle est céleste. Même depuis que j'ai compris ça, même si je n'ai plus d'argent, j'ai dit, Seigneur, dans ma banque là, envoie-moi l'argent. Télécharge-moi l'argent. Tu vas voir une opportunité. L'argent entre dans ton compte ou elle vient vers toi. Bien-aimé, la parole que nous lisons, elle est esprit et vie. Elle est esprit et vie, ce n'est pas un slogan, ce n'est pas un théâtre, non. Elle est esprit et vie. La vie chrétienne, c'est vie. Tu dois vivre la vie chrétienne. Le acte des apôtres n'est pas fini, bien-aimé. Elle va être écrite avec toi. Oh non, quelqu'un n'est pas compris. L'acte des apôtres n'est pas fini. C'est toi qui dois écrire le prochain chapitre. Il y a un miracle qui va sortir de toi. Il y a un témoignage qui sortira de toi. Oh, si tu es là, tu donnes trois fois amen. Lorsque tu es habitué à la présence de Dieu, ce n'est pas toi qui vas dire, moi je suis quelqu'un de la présence de Dieu. Non, non. Les gens doivent le constater que quelque chose s'est passé dans sa vie. Il y a un impact dans sa vie. Il y a un impact dans sa vie. J'ai fait ce témoignage ici. J'ai passé plus de, je peux dire, 7 à 10 ans avec mon épouse à ne payer que des dettes. J'étais submergé des dettes. Submergé. Elle me posait la question, comment tu arrives à dormir? Moi, je ne dors pas. Parce qu'on avait toujours, soit c'était un huissier de justice, soit c'était un créancier qui venait frapper. Mon téléphone n'arrivait pas à sonner. Depuis que j'ai mis de l'ordre dans ma vie, depuis que j'ai développé cette vie de prière, les gens me posent la question, ils me disent, comment tu y as fait? Comment tu y as fait? Amen. Il y a un ami qui s'est moqué de moi. Dieu va prendre ses ennemis et va témoigner à ta place. Il est venu, il dit, si les gens changent par la parole, j'ai vu Francis changer par la parole. Et cela, c'était juste, tu dois développer une communion. Tu dois développer une vie de prière. Quelqu'un dit avec moi, une vie de prière. Donc, c'est très subtil, la prière et la vie de prière. Des notions qui sont différentes. Les éléments évoqués que je viens de vous montrer attestent si tu pries ou tu as une vie de prière. Par rapport aux exemples que je donnais, par rapport au pourquoi, tu peux toi-même déjà t'évaluer pour te dire, est-ce que je prie où je vis une vie de prière? Est-ce que j'impacte mon environnement? Est-ce que de moi des nations sortent? Est-ce que je suis fécond? Cela n'est possible que lorsque tu développes la vie de prière. Que quelqu'un écrive, quand Christ vit, il prie. Lorsqu'il prie, il vit. Quand Christ prie, il vit. Quand Christ vit, il prie. Quand il prie, il vit. Cela veut simplement dire que ta vie en Christ et ta vie de prière doivent aller ensemble. Ta vie de prière et ta vie chrétienne doivent aller ensemble. Parce que ta vie chrétienne doit faire que Christ vive, qu'on voie Christ. Et pour voir Christ, il faut vivre une vie de prière.
Quand ta vie est une vie de prière, ta vie manifeste Christ. Cette année, je te vois manifester Christ. Oh, cette année, je vois manifester Christ. Oh, je vais te demander d'élever juste ta main et fais cette prière avec moi. Seigneur Père, me voici. Je veux vivre une dimension de la vie de prière. Ne fais pas de moi un homme qui prie, mais fais-moi un homme qui vit la prière, qui respire la prière. Oh, je te le demande dans le nom de Jésus. Je te le demande dans le nom de Jésus. Avec action de grâce. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer bien le Seigneur? Est-ce que tu peux pousser des cris de joie? Oh, acclame bien, acclame bien, acclame bien. Le roi est là, le roi est dans la place. Notre Dieu est dans la place. Donc, la qualité de la manifestation de Christ dans ta vie est fonction de la qualité de ta vie de prière. Plus tu développes ta vie de prière, plus tu vis une vie de prière, plus la lumière qui est Christ en toi prend encore de l'ampleur. Amen. Nous allons passer au comment. Tu as entendu le pourquoi. Maintenant, comment tu peux développer cette vie de prière? La première des choses, tu dois bâtir ta vie de prière avant de gagner avec Dieu d'abord. Avant de cultiver une vie de prière, tu dois commencer d'abord à bâtir cette vie, à bâtir cet autel de la prière. À prendre le temps dans la présence de Dieu, à cultiver ce temps, à aimer ce temps dans la présence de Dieu. Nous allons prendre le passage de Genèse 32. Genèse 32, à partir du 24e verset. Ici, on est en train de nous parler de Jacob. Quelqu'un peut dire Jacob. Jacob avait un problème avec son frère. Le mot Jacob veut dire usurpateur. À partir du verset, on peut aller au verset 22. Jacob avait un problème avec son frère. La première des choses que Jacob avait résolu, au lieu d'abord d'aller chercher Dieu, il a résolu des stratégies. Quelqu'un peut être avec moi de stratégie. Il a envoyé des serviteurs. On dit, il s'éleva la même nuit, prit ses deux femmes, ses deux servantes et ses 11 enfants et passa les guets de Jabok. Au verset 23, il les prit, leur fit passer le torrent et les fit passer à tout ce qui lui appartenait. Verset 24. Jacob demeura seul. Pour résoudre le problème avec son frère, il avait d'abord commencé à envoyer des cadeaux, à envoyer, mais il oubliait d'abord qu'il devait commencer par bâtir l'autel. Avant de cultiver une vie de prière, il faut d'abord la bâtir. Beaucoup sont dans des stratégies. Seigneur, qu'est-ce que je veux faire de mon département ? Seigneur, qu'est-ce que je vais faire de cette mission que tu m'as donnée? Nous tous, nous l'avons fait. Nous nous sommes pressés à vouloir concevoir. Mais la parole de Dieu nous dit, vous n'avez aucune capacité de concevoir quoi que ce soit. La capacité vient de Dieu. Donc, c'est-à-dire que tu dois revenir à Dieu pour dire, Seigneur, quels sont tes projets? Tu m'as donné cette mission, Seigneur, quels sont tes projets? Quels sont tes desseins? Quel est ton plan? Mais nous nous pressons toujours dire, je veux faire ceci. Nous nous basons sur notre expérience. Nous nous basons sur nos capacités, nos études faites, nos victoires antérieures. C'est ce sur quoi nous nous basons.
Nous nous basons sur nos relations. Oh, je connais tel ministre. Oh, je connais tel ceci. Nous nous basons. Mais est-ce que tu as pris le temps de bâtir avec Dieu? C'est lui qui développe, qui cultive une vie de prière. La première des choses rentrera dans la présence de Dieu pour dire, Seigneur, qu'est-ce que tu veux de moi ici? Seigneur, qu'est-ce que tu attends de moi dans cette histoire? Le problème, ce n'est pas Dieu, le problème, c'est nous. Voilà pourquoi nous revenons toujours déçus. Nous revenons, Seigneur, pourquoi m'as-tu abandonné? Non, moi, je ne t'ai pas abandonné. Je t'attends toujours dans le lieu secret. Je t'attends toujours dans le lieu secret. La première de choses, on dit, Jacob demeura seul. Tout ce que nous devons concevoir sans Jésus, c'est l'échec. Ne commence pas ton mariage sans Jésus. Ne va pas en voyage sans Jésus. Oui, tu as de l'argent, mais peut-être on va t'escroquer cet argent là-bas. Ne dis pas, non, ce travail est plus juteux par rapport à ça, je peux facilement basculer. Mais si on fermait la boîte, tu devenais chômeur. Tu vas devenir chômeur. Pourquoi? Parce que tu dis, ah non, là on m'a proposé plus. La COVID nous a prouvé que c'est le Dieu qui peut perdurer. Rien n'a résisté pendant la COVID. Rien. Des entreprises, des hommes forts, des hommes puissants sont partis comme un claquement de doigts. Et il y a d'autres, pendant la COVID, lorsqu'ils se sont tournés vers Dieu, Dieu a fait monter ses pensées et ils sont devenus riches pendant la COVID. Je me rappelle encore pendant la COVID, nous on ne travaillait pas. J'ai eu la pensée de faire des masques. J'étais en train de vendre des masques ici. Amen. J'ai eu à payer la maison avec les masques. Ici, à l'église. Dieu a des projets qu'il veut enfanter en toi. Oh, tu n'as pas entendu. Dieu a des projets qu'il veut enfanter avec toi. Amen. Tu dois d'abord aller vers Dieu avant d'aller vers les hommes. Nous nous pressons, non maman, oh non ceci, nous nous pressons, tu dois avoir une orientation. Dieu va te dire, touche telle personne, vois telle personne. Amen. Nous voulons organiser notre première campagne d'évangélisation. AICC Lemba. J'ai dit, Seigneur, le budget qu'on nous présente avec ceux qui entrent à la caisse, c'est terrible. Dieu a dit, ne t'appuie pas sur ta caisse. Je t'enverrai des hommes. Amen. Je t'enverrai des hommes. Dieu nous a envoyé des personnes. Moi, je les appelle des veuves de Sarepta. Je les appelle de corbeaux. Bien-aimé, quelqu'un qui est venu à l'église, qui n'a fait qu'un mois et il est parti. Il dit, je prends en charge le podium. Je prends en charge les instruments. Le Seigneur m'oriente chez quelqu'un. Il est dans la salle. Je vais, il dit non, je prends en charge le groupe électrogène. Je prends en charge ceci. Oui, tu peux acclamer le Seigneur. Acclame bien le Seigneur. Prends le temps de développer. Oui, il y a un projet. Oui, tu veux aller quelque part. Mais prends le temps. Nous voulons plus être auprès des hommes au lieu de demeurer seul avec Dieu. Dieu nous veut seul avec lui. Je l'ai dit au premier culte, il nous a payé d'un prix inestimable, le prix du sang de son fils. Aucune monnaie sur la terre n'est comparable au prix que Christ a payé de notre vie. Aucune monnaie. Voilà pourquoi il nous veut seul avec lui. On dit, est-ce que vous pouvez me remettre le verset s'il vous plaît? Jacob demeura seul. Alors
un homme lutta avec lui. La première des choses, tu dois bâtir l'autel. La deuxième des choses, si tu veux gagner avec Christ, demeure d'abord seul. Tu veux toujours être entouré. Tu veux toujours être en communication. Tu es tout le temps des appels, conférences, 5 personnes, 10 personnes. Mais Dieu t'attend dans le lieu secret. Dieu veut parler avec toi. On dit Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Au verset 25. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Et la boiture de la hanche de Jacob s'est démise pendant qu'il luttait avec lui. Le verset 26, il dit, « Laisse-moi, car l'aurore s'élève. » Et Jacob répondit, « Je ne te laisserai point. » Est-ce que tu as déjà eu un temps où tu dis, « Seigneur, je ne te laisserai pas. Seigneur, je veux toi. Seigneur, je désire toi. » Oui, mes enfants ont des problèmes. La santé de mes enfants. Mais Seigneur, je veux toi. Toi. Il dit, l'aurore s'élève. Et Jacob répondit, je ne te laisserai point aller. Que tu m'aies béni. Au verset 27, il lui dit, quel est ton nom? Lorsque tu demeures seul, il te posera la question, quel est ton nom? Quel est ton nom? Voilà pourquoi la parabole de juge unique avec la femme veuve, elle insistait d'une manière incessante. Katelanga likambo. Quel est ton nom? Je ne sais pas quel est le nom que tu vas mettre. Il dit, il répondit, Jacob. Il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob. Mais tu seras appelé Israël. C'est dans le lieu secret, lorsqu'on demeure seul, lorsqu'on insiste, que des nations sortent. Israël devrait sortir de Jacob. Jacob a dit, je ne te laisse pas. Il faut qu'Israël sorte. Il faut qu'une nation sorte. Bien-aimés, n'enrichissons pas les cimetières avec les projets des dieux qui vont mourir en nous. Chacun de nous sur cette terre est la réponse aux problèmes du monde. Moi, je me suis dit dans ma vie, on ne passera pas devant ma tombe pour dire juste on lit Francis. Non, on va s'arrêter. On dit des nations sont sorties d'ici. Oh, je vois, c'est ton partage. C'est ton partage. C'est ton partage. C'est ton partage. Tu ne dois pas accepter d'être un figurant. Non, tu es un acteur. Parce que celui qui vit en toi est un acteur. Amen. Ne passe pas sur cette terre. Non. Peu importe le nombre d'années que tu peux faire sur cette terre, tu dois écrire une histoire. Tu dois écrire une histoire. Amen. Amen. Il y a des projets qui sont en toi, qui doivent voir le jour. Il y a des nations, des enfants biologiques et des enfants dans la foi qui doivent sortir de toi. Qui doivent sortir de toi. J'ai beaucoup aimé, pendant la semaine royale, il y a l'apôtre Yves qui a parler sur Ésaïe 66. Il dit, si ceux-là ont du mal à enfanter, Sion, toi tu enfanteras. Bien-aimé, nous sommes Sion qui doivent enfanter, mais tu dois demeurer dans la présence de Dieu. Tu dois vivre une vie de prière. Tu dois vivre une vie de prière. Dieu veut que tu prospères à tous égards. Dieu veut que tu ailles de l'avant.
Bien-aimé, on ne vient pas à l'église pour cultiver une vie de prière. Non, ce n'est pas à l'église. L'église, c'est un support. Ce n'est pas dans ton département que tu vas cultiver une vie de prière. Ce n'est pas au ministère de la prière que tu vas dire, comme je suis au ministère de la prière, je cultive la vie de prière. Non, non, tu dois bâtir d'abord toi-même ta vie de prière. Tu dois bâtir ta vie de prière. L'église est un soutien. Le département est un apport supplémentaire. Mais cela ne remplace pas Dieu en premier. Avant d'affronter les problèmes, avant d'affronter ta journée, tiens-toi dans sa présence. Va d'abord devant Dieu. Jacob devait commencer par là. Il devait commencer par aller se tenir seul dans la présence de Dieu. Dieu a toujours voulu rester avec nous, bien-aimés. La première des choses que Dieu fait dans notre vie, lorsque nous venons à lui, il nous sépare du monde. Parce qu'il nous veut à lui seul. Toi, tu veux aller en Christ avec tes amis qui ne veulent pas encore être en Christ. Voilà pourquoi tu as toujours un pied comme ça. Tu te poses toujours la question, dois-je plaire à Christ? Dois-je plaire à mes amis? Tu commences à chercher des raisonnements, des systèmes de pensée. Non, tu dois dire, je viens vers toi. Dieu te veut dans sa présence. Dieu te veut dans ta présence. Et tu dois être conscient qu'il est là. Il dit dans sa parole que votre Père, qui est dans le lieu secret, vous attend. Dieu attend des peuples. Dieu est en train de nous attendre, bien-aimés. Il y a longtemps qu'il t'a vu. Il y a longtemps que tu t'es présenté à lui. Dieu t'attend. Dieu est en train de t'attendre. Il t'attend. Le lieu secret, c'est un lieu d'entraînement. Quelqu'un peut dire un lieu d'entraînement? Oh, est-ce que tu peux parler plus fort? Un lieu d'entraînement. C'est là où Dieu te partage ses pensées. Il dit ceci. Votre Père qui est dans le lieu secret t'attend. Mais à la suite, c'est quoi? Il vous le rendra. Il te rendra quoi? Ce n'est pas les prières, non. Dieu a des fardeaux qu'il veut te donner. Dieu a des fardeaux qu'il veut te communiquer. Dieu veut voir sa volonté sur la terre. Voilà pourquoi il a besoin de toi. Voilà pourquoi il a besoin de toi. Dans le lieu secret où il t'attend, quand tu es seul et conscient, il te donne des fardeaux. Quelqu'un peut dire avec moi des fardeaux. Quelqu'un peut dire avec moi des fardeaux. Oh, si tu es avec moi, acclame le Seigneur. Acclame bien le Seigneur. Amen. Dieu veut voir ce qu'il y a dans son cœur, là où il t'a placé. Il dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Mais là où tu vas, Dieu a des pensées qu'il veut voir manifester là où tu es. Dieu veut voir sur la terre ce qu'il a donné à Jacob. Il a donné à Jacob des nations. Des nations doivent sortir de nous, bien-aimés. L'apôtre Yvan l'a dit, je l'ai encore entendu, réécouté ce matin. Il dit, je suis fatigué de voir les mêmes personnes à l'église. Il y a des nations qui doivent être sauvées. J'ai besoin de voir de nouvelles personnes. Tu dois aller. Quelqu'un peut dire, je dois aller. Quelqu'un peut dire, je dois aller. Mais je dois recevoir le fardeau de Dieu. Lorsque Dieu dépose en toi son fardeau, automatiquement, il révèle ta mission. Lorsque Dieu, dans cette communion, dans cette dimension de prière sans cesse, dépose en toi son fardeau, en fait, il te fait connaître c'est pourquoi tu es sur la terre.
Je le disais au premier culte, je commence à ressentir un fardeau pour la jeunesse. Il y a des enfants désœuvrés qu'il est en train de prendre en charge. À la mission de Lemba, il y avait une maman, jusque-là, elle est toujours là, il y a une maman qui les offrandes qu'elle a ramenées, c'était les maïs. Elle venait s'asseoir au coin, elle écoute la parole, elle écoute la parole. Et après, elle prend pasteur. J'ai pas d'argent, j'ai les maïs. Amen. Tu dis, Seigneur, qu'est-ce que tu veux m'enseigner dans ça? Qu'est-ce que tu veux m'enseigner dans ce que cette femme est en train de faire? Vous voyez, des fois, nous à l'église, on est un peu trop carré. Quand on dit acclame le Seigneur, vous acclamez timidement. Elle, elle a toujours un cri. Isese lemba makambo. Elle va faire du bruit. Elle va acclamer le Seigneur. Un jour, je ne la voyais plus. J'ai demandé à l'équipe d'évangélisation, est-ce que vous savez où est-ce qu'elle habite? Elle m'a dit, elle est dans le camp Kabila. Nous sommes allés au camp Kabila. J'ai vu là où les fidèles venaient. J'ai eu très mal. Elle a dit, je n'arrivais plus à nourrir mes enfants. Et tout l'argent que j'ai gagné, j'ai commencé à pourvoir aux besoins de la maison. Et je n'ai plus rien. J'ai dit non, on ne peut pas laisser quelqu'un comme ça. Dieu te communique les fardeaux lorsque tu vas. J'ai regardé la maman. J'ai eu à trouver $80. Je lui ai remis. Je dis, recommence encore ton activité. Fais quelque chose. Mais on peut bien acclamer le Seigneur, mais elles ont besoin d'un accompagnement. Elles ont besoin parce que les mêmes causes vont produire les mêmes effets. Comme il est écrit dans la parole, Christ est en train de dire, je fais ce que je vois le Père faire. Nous avons eu à faire deux fois des actes de compassion. Nous voyons comment les mamans venaient. Elles n'avaient pratiquement plus d'habits. Mais comment elles se plaisaient lorsqu'elles trouvaient ces réconforts. Il dit, non, votre église, il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Nous avons vu ça du Père. On a juste reproduit. Mais tu dois aussi le faire dans ta nation. Oui, tu peux bien acclamer le Seigneur. Tu dois aussi bien le faire, bien-aimé. Dieu veut te communiquer un fardeau. Quelqu'un peut dire avec moi un fardeau. Dieu a toujours un but pour chacun. Et il veut que tu développes la solitude pour qu'il transmette son fardeau. Dieu a toujours un but. Mais nous, on aime toujours être entouré. On aime toujours là où il y a du bruit. Quand Dieu te dépose un fardeau, cela veut dire que tout de toi, tes finances, l'intelligence que le Seigneur t'a donnée, doit être focalisée sur ces fardeaux. Tout de toi. Je voyais ce qui s'est passé ici à Kasavubu, mais lorsque tu es en mission, tu arrives à comprendre que tout de toi doit être tourné vers le fardeau que le Seigneur t'a donné. Le deuxième point du comment tu dois développer cette culture, c'est en cultivant la soif de la présence de Dieu.
Amen. Une fois qu'il dépose son fardeau, il faut apprendre à cultiver la communion permanente. Voilà pourquoi il dit dans le psaume 105 au verset 4, cherchez continuellement ma face. Tu dois cultiver sa présence. C'est la présence de Dieu en vous que les hommes recherchent. Les hommes ne recherchent pas l'argent. Non. Les hommes ont besoin de la présence de Dieu que toi et moi nous transportons. Voilà pourquoi l'apôtre Paul a dit à ses paralytiques, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Je te donne quoi? La présence de Dieu, la puissance de Dieu. Lève-toi et marche. Le monde a besoin de Dieu. Le monde a besoin de Dieu que chacun de nous transporte. Voilà pourquoi on dit, le monde attend avec ardent désir la manifestation des fils. Oh, je vois ces fils se révéler. Oh, je vois ces fils être révélés au nom de Jésus. Oh, si tu es avec moi, tu acclames le Seigneur. Si tu es avec moi, tu pousses le cri de joie. Bien-aimé, la présence de Dieu se provoque. Amen. Tu dois provoquer la présence de Dieu. Jérémie 29 au verset 13, il dit, vous me chercherez et vous me trouverez. Si quoi? Vous cherchez de tout votre cœur. Seigneur, j'ai besoin de toi. Ça doit être un cri. Ça doit être un cri. Ça doit être un cri, bien-aimé. Ça doit être un cri. Les gens veulent voir manifester ce Dieu en toi. La vie de prière est une vie pratique. Tu penses comme Dieu, tu fais comme Dieu. C'est une vie pratique. Dieu va te communiquer ses pensées. Ses pensées, on dit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, l'oreille n'a point entendues, qui ne sont jamais montées dans le cœur d'un homme. Ce sont ces choses-là que le Seigneur a réservées pour ceux qu'il aime. Pour que Dieu t'aime, tu dois être celui qui aime sa présence. Amen. Tu dois aimer sa présence pour qu'il télécharge sa pensée. Donc, il se fait que nous venons dans la présence de Dieu, nous nous chargeons et nous allons dans le monde, nous nous déchargeons. Automatiquement, nous nous chargeons parce que nous vivons une vie continuelle de la présence de Dieu. Si tu es d'accord avec moi, tu peux dire un bon amen. C'est une vie pratique. Dieu a dit allez. Mais avant d'aller, tu dois prier. Ma présence, tu dois entretenir ma présence. Le Saint-Esprit doit t'accompagner pour que tu sois un témoin. Amen. Le troisième point du comment pour terminer par là, cette présence de Dieu agit en nous quand vous méditez sérieusement la parole de Dieu. Tu dois méditer sérieusement la parole de Dieu. C'est en méditant la parole de Dieu que ton homme intérieur devient audacieux. Je puis tout par celui qui me fortifie. Tu dois tirer dans la parole de Dieu. Amen. Tu dois méditer avec zèle la parole de Dieu. Tu dois recevoir ce qui est nécessaire pour toi afin de marcher avec Dieu. Tu as besoin de la parole. Dis à ton voisin, nous avons besoin de la parole. Bien-aimé, tu dois arriver à un moment où tu écoutes en boucle la parole. Tu écoutes en boucle. La nature a horaire du vide. Lorsque tu n'entends pas la parole, il y aura les princes de l'air, il y aura les informations qui vont vouloir placer autre chose. Le père, le pasteur Ghislain dit toujours, le diable ne peut pas te bloquer. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Il va s'aimer livrer.
quand tu vas être distrait. Il s'aimera livré. Livré, c'est quoi? C'est les inquiétudes, c'est la peur du lendemain. Comment je vais manger? Comment ça va se passer? Mais la parole de Dieu nous le dit, ne crains rien, je suis avec toi tous les jours de ta vie. Mais pour que tu aies cette parole, il faut l'écouter, non pas une fois, il faut la lire, non pas une fois, mais continuellement. Continuellement, tu dois te gaver de la parole. Tu dois te gaver de la parole. C'est lorsque le diable trouvera qu'il n'y a pas une parole, qu'il placera une parole. Il y a une sœur à ICC Lemba. Un jour, on avait une veillée. Elle a commencé à pleurer. Nous avons fini de prier. On pose la question, pourquoi tu pleures? Elle dit, on m'a toujours dit que je ne suis pas belle. On m'a toujours dit que je ne suis pas belle. J'ai juste pris la parole de Dieu. David est en train de dire, oh Seigneur, merci parce que tu m'as créé. Je suis une personne merveilleuse. Moi, je dis, tu n'es pas n'importe qui. Et aujourd'hui, elle sert Dieu d'une manière. Elle est responsable adjointe de l'écodine. Le diable viendra toujours avec un mensonge. Tu n'y arriveras pas. Tu ne pourras pas. Tu ne peux pas. Tu n'iras pas loin. Regarde ta condition. Regarde ta famille. Mais oppose à cette parole une parole. Mais pour opposer parole par parole, tu dois méditer la parole. Méditer sérieusement la parole. Quand vous avez la vie de prière, votre cœur bat pour ce que le cœur de Dieu bat. Quand vous avez une très bonne méditation de la parole, bien aimé, une excellente méditation, excellente vie de prière. Une excellente vie de prière, la vie de Christ manifestée. Donc tu dois prendre la parole que tu lis, tu la coules dans ta vie de prière. Oh Seigneur, je bénis. Je te bénis parce que tu m'as fait une personne merveilleuse. Je te bénis parce que je suis puissant, je suis glorieux. Tu dis dans ta parole, je vous ordonne d'être puissant. Je suis puissant. Tel tu es, tel je suis. Tel tu es en train de le déclarer. C'est sur base de la parole. Tu prends la parole, tu la coules dans la vie de prière. Et dans cette vie de prière, Christ est en train de prendre du volume. Et je vois Christ prendre du volume dans ta vie, dans le nom de Jésus. En effet, bien-aimés, nous clôturons par là. La méditation de la parole te permet de rester focalisé sur l'essentiel. Tu ne seras pas distrait. Tu n'entreras pas dans la mortification des pénines. Non. Il y a des nations qui doivent sortir d'ici. Je ne m'inquiète pas. Je ne m'inquiète pas. Amen. Celui qui détruit le corps de Dieu sera détruit. S'il y a un myome qui veut détruire le corps de Dieu, c'est le myome qui va être détruit dans le nom de Jésus. Tu dois déclarer la parole dans la prière. Et c'est là que Christ sera manifesté. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et nous nous levons de là où nous sommes pour ce cri de joie. Oh, pour ce cri de triomphe. Excellente méditation, excellente vie de prière. Oh Christ manifesté, Christ révélé. Oh, est-ce que tu peux commencer à dire merci? Commence à dire merci. Merci à Dieu pour sa parole. Oh, dis-le-lui merci, dis-le-lui merci. Il dit la révélation de la parole est claire. Elle donne de l'intelligence aux simples. Ce matin, tu viens de recevoir sa parole. Prends le temps de rendre grâce à Dieu. Prends le temps de lui dire merci. Dis-le lui merci.
Oh, rends grâce, bien-aimé, rends grâce, bien-aimé. Rends grâce, bien-aimé, rends grâce, bien-aimé. Oh, rends grâce, bien-aimé. Seigneur, nous voulons te ressembler. Seigneur, en cette saison où tu nous dis, il y a une moisson pour chacun de nous. Seigneur, nous voulons te ressembler. Voilà pourquoi, Seigneur, par ce message, nous voulons rester focus. Que c'est dans la vie de prière que nous allons arriver à manifester le Christ. Oh, plus. Seigneur, je veux vivre plus d'intimité avec toi. Je veux vivre plus de romance avec toi. Accorde-moi la grâce de cultiver la vie de prière. Je ne veux pas être superficiel, Seigneur. Oh, tu dois le lui dire, bien-aimé, tu dois le lui dire. Oh Seigneur, c'est ta volonté. C'est ta volonté que nous voulons vivre. C'est ta volonté que nous voulons expérimenter. Nous voulons vivre plus de toi, Seigneur. Nous voulons te manifester. Nous voulons te révéler en cette saison. Oh, nous disons plus de toi, Seigneur. Oh, ta volonté. Ta volonté, la volonté, aïe, 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 aïe. Oh, ta volonté, la volonté, Seigneur, plus de toi. Ta volonté, la volonté, Seigneur, plus de toi. Ta volonté. Est-ce que tu peux commencer à lui dire, Seigneur, c'est ta volonté que je veux? Est-ce que tu peux commencer à lui dire, c'est ta volonté que je veux? Rien d'autre, Seigneur. Je veux accomplir le projet que tu as pour moi, Seigneur. C'est ta volonté que je veux vivre. C'est ta volonté que je veux expérimenter. C'est le but pour lequel tu m'as manifesté. Seigneur, j'ai été souvent chrétien, mais je vais aller dans la dimension, cette dimension de ceux-là qui enfantent des nations, la dimension de témoins, où les rois marcheront à ma lumière. Où les princes marcheront à ma lumière. Oh Seigneur, j'ai trop stagné. Je veux racheter le temps, Seigneur. Je veux être réellement le sel de la terre. Lumière du monde, Seigneur. Est-ce que tu es en train de le lui dire? Est-ce que tu es en train de le lui dire? Oh, sois comme cette femme qui doit enfanter une destinée.
C'est une destinée que tu dois enfanter. Oh, demande-le, demande-le, bien-aimé. Tu dois parler. Tu dois parler. Oh Seigneur, ta volonté. Je dois enfanter, Seigneur. Des nations doivent sortir de moi, Seigneur. Oh, déclare-le, déclare-le, déclare-le. Déclare-le, tu dois pousser le cri. Tu dois pousser le cri. Lorsqu'une femme enfante, elle ne murmure pas, elle crie. Elle crie. Elle crie. Parce que ce sont des nations qui sortent. C'est une vie pour une vie. Oh, vas-y, déclare-le, déclare-le. Bien-aimé, cette dimension de cultiver la vie de prière est accessible pour tout enfant de Dieu. Mais si ce matin, tu n'as pas encore accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, ou si le souci de la vie t'ont amené à abandonner la foi, t'ont ramené sur un autre ring à combattre un autre combat. Aujourd'hui, il y a une occasion qui t'est donnée. Que tu puisses revenir à Jésus. Que tu puisses donner ta vie à Christ. Si tu es là, la parole de Dieu nous dit, je frappe à ta porte. N'endurcis pas ton cœur. Il y a une qualité de vie en développant la vie des prières insistantes et sans se relâcher. Et cela n'est possible qu'en étant enfant de Dieu. Si tu es là ce matin, tu vas juste prendre ta main gauche et la lever. Et tu prendras ta main droite, tu la mettras sur ton cœur. Cela veut simplement dire, Seigneur, avec ma main droite, entre dans ma vie, entre dans mon cœur. Et ma main gauche, Seigneur, je m'abandonne à toi. Je me suis battu seul, je fais tout seul, mais cette fois-ci, me voici. Le Seigneur est là. Il y a une qualité de vie qu'il veut te donner. Il y a une vie en abondance qu'il veut te donner. Mais
Et cela n'est possible que si tu donnes ta vie à Christ. Nous allons tous incliner nos têtes par respect envers tous ceux-là qui prennent une décision ce matin. Lève ta main, tu auras un fanion et on va t'accompagner afin que des nations sortent de toi. Nous allons tous ensemble dire, Seigneur Père, me voici ce matin. Tu as frappé à la porte de ma vie. Et tu m'as montré ce que je vivais n'était pas une vie. C'était un semblant de vie. Il y a la dimension de la vie de Christ qui est accessible à tous ceux qui croient à son œuvre. Ce matin, je crois en son œuvre. Ce matin, je te demande pardon de toute vie que j'ai eu à mener. Je viens déposer mes fardeaux à tes pieds et je reçois ta vie. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est mort, bien plus, il est ressuscité et il est assis à la droite du Père. J'accepte la vie de Jésus. Prends-moi par ta main et conduis mes pas. Jusqu'au jour où tu reviendras. Que tes projets s'accomplissent dans ma vie. Avec action de grâce. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour tous?